Cette année, M6 consacrera non pas deux mais trois soirées au portrait des nouveaux agriculteurs de la Mourée dans le Pré. Rendez-vous donc les lundis 8, 15 et 22 janvier 2024 à 21h10 pour tous les découvrir. Pour bien démarrer l'année 2024, M6 propose de prendre un grand bol d'air frais et plein de beaux sentiments dès le lundi 8 janvier. C'est en effet à cette date que vous découvrirez les premiers portraits des agriculteurs de la saison 19 de la Mourée dans le Pré. Cette année, ils sont 15, 13 hommes et 2 femmes âgées de 26 à 69 ans, à espérer donner un nouvel éclat à leur vie sentimentale grâce au programme de dating champêtre. Un nombre record qui se traduit par une programmation un peu particulière sur M6. En effet, pour la première fois, la chaîne ne proposera pas 2 soirées de portraits, mais 3, pour la plus grande joie des 4,3 millions de fidèles de l'émission incarnée par Karine Le Marchand. Notez bien dans vos agendas, les portraits de la saison 19 de La Mourée dans le Pré seront diffusés les lundis 8, 15 et 22 janvier dès 21h10 sur M6. Et en avant-première une semaine avant sur 6 Play Max. La Mourée dans le Pré 2024, quels sont les agriculteurs de la saison 19? Commençons par les femmes de la saison. Vous découvrirez ainsi Karel, une éleveuse de vaches allaitantes et de volailles bio de 41 ans installée en Bourgogne-Franche-Comté, et Manuela, 50 ans, éleveuse de poules d'ornement en centre-Val de Loire. Du côté des hommes, il y aura Bruno, 33 ans, éleveur et polyculture dans les Hauts-de-France, Christophe, 57 ans, vigneron et éleveur d'ovins en Nouvelle-Aquitaine, Damien, maraîcher et céréalier de 36 ans implanté en Nouvelle-Aquitaine, Guy, éleveur de vaches allaitantes de 66 ans en Pays de la Loire, Michael, 55 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture en Bretagne. Quant à Cyril, 39 ans, et Ludovic, 28 ans, ils sont tous deux viticulteurs, l'un en Nouvelle-Aquitaine et l'autre en Occitanie. Sont également présents au casting cette saison Pascal, 58 ans, et Stéphane, 45 ans, éleveur d'ovins et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, Brice, le premier saunier de l'émission, 38 ans, Nouvelle-Aquitaine, et Valentin, le benjamin de cette cuvée 2024 qui, à tout juste 26 ans, est éleveur de vaches laitières et polyculture en Normandie. Enfin, grande première cette année, deux amis participent en même temps à l'émission. Gilles, dit Gillou, ancien éleveur et polyculture à la retraite âgé de 69 ans et Renaud, 52 ans, éleveur de volailles, vaches allaitantes et moutons en Pays de la Loire. L'amour vu du pré, qui retrouverez-vous en deuxième partie de soirée? Le programme de deuxième partie de soirée fait aussi peau neuve. Outre les emblématiques Jérôme et Lucille et Mathieu, l'amour vu du prévoit aussi arriver des petits nouveaux prêts à commenter les premiers pas de leurs homologues depuis leur canapé. Ainsi, vous retrouverez trois agriculteurs de la saison 18, à savoir Yoris, Charles et Christine. Mais également une prétendante qui nous aura fait rire et verser quelques larmes. Et conduite par Jean-Paul au profit de Maria, Christelle fait son grand retour sur M6 pour apporter beaucoup de sagesse à l'amour vu près.